Hello tout le monde! Hello hello! Bienvenue pour ce nouveau live! Je sens que je ne vais pas du tout assumer ce live. On est du coup sur le nouveau jeu, un peu à la. Le mec qui est dans le chaudron là et qui doit monter le plus haut possible, c'est Getting Over It. On est dans exactement le même style de jeu. Je sais même pas si c'est vraiment en fait les mêmes développeurs ou non, je me suis pas assez renseigné. Mais les gens. Une chose est sûre, c'est que ce soir, nous allons souffrir. Souffrir parce que c'est un jeu rageant. Qui dit jeu rageant dit, il va y avoir des mécaniques qui vont faire que on va progresser. Et plus on va progresser, il y a des choses qui vont se passer. Peut-être que je vais lâcher mon joystick, mon je sais pas quoi là. Et hop, mon personnage va retomber au tout début. Ça veut dire que ça sera, on va mettre une heure à grimper. Et je vais tout retomber. Donc en fait, c'est un jeu méga, méga, méga rageant. Je crois que c'est le jeu le plus rageant de 2024. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce titre-là. Je sens qu'on va décéder. Je sens que je vais peut-être pas avoir la patience. C'est la première fois que je fais un jeu rageant comme ça. J'ai déjà fait à l'époque des jeux rageants sur ma chaîne YouTube. Mais je crois que j'en ai fait grand maximum un ou deux, quoi. Et en soi, je les ai même pas terminés. Donc c'est pour te dire à quel point moi et la patience, ça fait 10 000. Donc là, ça va être quelque chose. J'ai peur de péter un câble, de rage quit et de cut le live. Mais en soi, un truc est sûr. En tout cas, je pense qu'on le finira pas ce soir. Je préfère vous le dire d'avance. Peut-être qu'on va être trop fort, tu vois. On va être destremont, on va réussir. Mais faut pas rêver. C'est un jeu qui a été créé justement pour rager. En général, les gens n'arrivent pas du premier coup, à moins que ce soit des gens qui tryhardent et qui, du coup, font des speedruns, etc., etc. Mais là, c'est de la découverte. Donc, comment voulez-vous que, en pure découverte, on fasse des dingueries? Je ne pense pas. Donc, très clairement, ce soir, les gens, j'espère que vous êtes prêts. Parce que là, vous allez me voir rager. J'espère que mon micro va pas saturer. Et ça va pas être horrible. Mais voilà, c'est le petit programme de ce soir, les gens. Let's go, hein. Vous entendez bien le jeu? Bon, en soi, il n'y a pas grand-chose à entendre. Oula. Ok, donc on est un homme quasiment nu. Qui grimpe avec la force de ses mains. Bon, en fait, pour le moment, ça va. Mais je sens que... Ça va devenir bien compliqué là. Alors hop. Voilà. Je sais pas où est-ce qu'on va. Je speedrun hein. Oula. Oula. Attends, je vais voir si là-haut il n'y a pas un truc. Oh waouh, c'est glissant de fou. Ok, on évite d'aller là-bas. Je tente un autre move. Par contre les contrôles sont horribles. Mais quand je dis horrible, ah j'exagère pas hein. C'est vraiment affreux. Mais c'est fait exprès, c'est parce que le jeu le veut comme ça. Ok c'est bon, on a compte. Non. Non mon frérot. Non. Non mon frérot, non je sens ça va être comme ça pendant tout le jeu. Non, 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 non. Oh là là, je sens que ça va être horrible. Je sens que ça va être horrible, sa mère. Allez, prendre l'élan. Ok, je peux grimper là. Ok. Mais par contre, pourquoi il n'utilise pas ses jambes, le poteau, là? Frérot, il faut utiliser tes jambes. Faut que j'aille où, là? Je peux prendre de l'élan? Je peux pas prendre d'élément. Je crois qu'il faut que j'aille à gauche. Non mais là le tonneau il va me faire tomber dans le vide. 100%. Je crois pas en le tonneau là. Ah si. Ok le tonneau c'est un bon. Ok c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est que le début de toute façon. On n'avait pas avancé. Bon en tout cas vous avez compris le principe. Je pense pour la plupart. Ça va être ça pendant tout le jeu. Hein. De l'escalade, de l'escalade, de l'escalade.
Jusqu'à arriver au sommet. Mais je sais pas jusqu'où il va le sommet en fait. Mais utilise tes jambes mon frérot. L'escalade c'est fait pour utiliser ses jambes quand même. Qui n'avance pas avec ses jambes? Ok c'est bon. Voilà, on a vite rattrapé le truc où on était. Ok, ok, c'est là qu'on s'est arrêté. Ok, en fait, ça va relativement vite. Faut que j'aille où, là? Vas-y, fais ça. Ok, là, va falloir aller très très vite. Donc, tu sais quoi? J'ai besoin de ma main gauche. Ok! Oh waouh! Oh waouh! C'est vraiment à la seconde. Non, 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 non. Oh là là, ça me fait flipper sa mère. Hein. Ça me fait flipper sa mère. Pff, attendez, juste, je respire. Là, c'est trop stressant, là. C'est trop stressant, sa mère. En fait, à partir du moment où t'as touché... Non mais comment il nage en plus? Non mais en fait, à partir du moment où t'as touché ton clavier, ta souris ou ta manette, tu peux plus lâcher les boutons. Donc ça veut dire que là, si j'ai envie de me gratter, c'est maintenant ou jamais parce qu'après je ne pourrai plus lâcher ma manette. Waouh! C'est horrible. Waouh, comment il se déplace, ça me fume. Ok. On speedrun, on speedrun, on speedrun, on n'a pas le temps. Ouah, comment il se déplace? Hop, hop. Oh là 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 là, et là j'ai peur là. Lâche rien. Lâche rien mon poteau. Ok. Ok. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Lâche pas! Lâche! Non, 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 il glisse! Je sens la branche, elle va craquer. Ok, 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 ok. J'ai peur là. J'ai peur. Allez! Mais tu peux le faire! Tu es capable! Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Allez! Non, non, non. Là, j'ai trop peur de lâcher ma manette. Je fais comment, là? Ok. Attends, je fais ça. En fait, il faut que je saute, non? Là-bas, je peux pas aller, on est d'accord. C'est obligatoire que j'aille là. En fait, faut que j'aille le plus haut possible. Voilà. Non! Oui! Oui! C'est ça qu'on veut! Tu te fais pas électrocuter, hein. Ah, je glisse. Oh là là, ça fait peur. Hein. Ouh là là, ça fait peur. Allez! Allez! T'es à 1 cm! Voilà! Oh là, glisse pas, hein. Glisse pas, glisse pas, glisse pas, glisse pas, glisse pas, glisse pas, glisse pas. Waouh! On est trop haut là! Non, si on tombe, je pleure!
Allez! Non, j'ai peur, sa mère, c'est trop dur! Trop dur! Allez, mais tu veux pas te reposer sur la terre ferme là, 2 secondes? J'ai mal aux doigts! Pourquoi la flèche elle indique d'aller en bas? C'est un piège. Ça veut dire que c'est pas par là que je dois aller. Si? Je fais confiance à la flèche ou pas? Ma manette elle a bugué les gens. Mais comment ça se fait qu'elle a bugué? Ah j'ai compris. Je sais pourquoi elle a bugué. C'est à cause de ça. Tout ça parce que ma manette elle a bugué. En fait c'est parce qu'elle était connectée à ma Xbox. Elle s'est auto-connectée alors que j'ai rien demandé. Mais non. Ça marche. Oui monsieur. Bon. Mesdames, messieurs. J'ai envie de vous dire c'est parti. On se motive. Let's go. On va tout casser. C'est bon. Ok, tu peux le faire, mon frérot. Tu peux le faire. Je crois en toi. Voilà. Oh, cette musique! Ça y est! Je deviens meilleur! C'est donc ça, être meilleur! Tu peux le faire! On croit tous en toi! On croit tous en toi! Allez, monsieur! Monsieur, vous pouvez réussir! Non, monsieur! Non, monsieur, on ne lâche rien! Allez, on y croit. Est-ce que vous y croyez dans le chat? Si vous y croyez pas, on peut pas y arriver. Faut que vous y croyez pour qu'on y arrive. Let's go! Non, 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 on y croit pas, on y croit pas, vous avez rien vu! Vous avez rien vu! On garde la motivation! On garde la motivation! On y arrive, on y arrive, on y arrive! Tu vas devenir grand! Tu vas devenir grand! Tu vas monter les échelons! Je te vois dans les étoiles! Tu vas me décrocher la lune! On se relève d'une défaite, toujours dans la vie. Toujours. Les épreuves sont dures, mais tout le temps, on se relève. Et on y retourne, on va au front. On affronte les obstacles.
C'est la vie. C'est la vie. Parfois dans la vie, c'est compliqué. Mais à un moment donné, quand on se bat, on y arrive toujours. Toujours. Il suffit juste de se battre. Les épreuves sont rudes. Mais on baisse pas les bras. Regarde, il a les bras levés, lui. Il a pas les bras comme ça, il a les bras ici. Ok. Voilà. Là, je suis focus, là. Mon frérot. Tu peux le faire, on croit tous en toi, là. Ok, t'es un mec en slip. Et alors? Les mecs en slip n'ont pas le droit de réussir dans la vie? Mais bien sûr que si. C'est dur, je sais que cette épreuve est très dure pour toi. Tu es peut-être affamé, on sait pas d'où tu sors. Mais une chose est sûre, c'est que tu arriveras. Je t'en fais la promesse. C'est dur, j'ai l'impression d'être une limace qui glisse. Tu me fais pas ça. Tu me fais pas ça, le chat croit en toi. Le chat croit en toi. Tu peux le faire. J'en ai pas fini. C'est pas mon dernier mot. C'est pas mon dernier mot. La vie se joue de moi. Mais tu ne mourras pas. Ce n'est pas mon destin. Mon destin est de réussir. On peut tout réussir dans la vie après tout. C'est juste une question de volonté. Accroche-toi! Ne tombe pas, mon frérot. Ne tombe pas. Je te jure que tu peux le faire. Ce rocher de merde, il me casse les couilles. Faut que je sois au bord du. Allez! Allez, mon frérot! Te fais pas les ligaments croisés, là! Ici qu'on t'attendait au tournant. Lâche rien. Il y a un mur tout à droite. Oui, tout à droite. Lâche pas. Chaque fois on est bon. La vie est parfois triste.
comme cet océan. C'est si triste. Il pleut. Il pleut actuellement, mes yeux d'âme. Allez, mon frérot. Allez, tu peux le faire. Allez. Crois en toi. T'en supplie. Me laisse pas dans cette tristesse. Tu peux le faire, je te jure. Je te jure. Arrête de te faire les ligaments croisés. Ok, enlevez-moi cette zik. Enlevez-moi cette zik. Enlevez-moi cette zik, il me faut de la motivation. Je veux de la motivation, c'est maintenant. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. Non. Non. Tu recommences. Je n'ai rien à foutre. On se relève toujours plus fort. On fait toujours des exploits. On va toujours plus haut. T'en as la force. On sent. Tes bibis vont être énormes à la fin. Ça glisse, de mur de merde! Allez, tu peux le faire. Allez, tu peux le faire. Arrête de faire la limace! T'en as la force! De glisser.
non, t'as voulu faire quoi là? On est marre. Il est nul. Il est nul. Pourquoi t'es nul? Putain. T'es trop gaze. T'es pas du tout gymnaste. Je sais que t'as perdu toute ta Mifa. Je sais que t'étais dans un petit bateau. T'es triste. Tu n'as plus trop de force. Tu as affaibli. Tu n'as pas mangé depuis des jours. Tu recherches du réconfort, à l'aide. Tu veux aller tout en haut de cette colline pour demander un SOS. Mais s'il te plaît, lâche pas. T'es tout ce que j'ai, mon frérot. T'es tout ce que j'ai. Non, je te jure, tu peux grimper des échelons si tu le veux. S'il te plaît. Je te jure, lâche pas. Il pleut. J'en ai marre de ces rochers glissants là. Je fais les ligaments croisés à chaque fois. C'est pas comme ça que tu vas réussir dans la vie. Si tout le temps, le moindre truc que tu faisais des ligaments croisés. Grimpe correctement. Attends, te précipite pas. Écoute-moi, au lieu de te précipiter. Tu fais main par main, tout doucement. Non, tu glisses là, regarde, tu glisses. Arrête. Et là, faut prendre de l'élan là. Là, t'es sur du humide. Il pleut. Arrête. Tout doucement, je t'ai dit. Apprends de ce que je te dis. Je sais, on est à même pas 2 cm. Mais s'il te plaît, écoute-moi. Te précipite pas. Je sais que t'as envie de te sortir de là, mon gars. Je sais. Tu vas retrouver la civilisation, mais 2 secondes. Arrête de faire le fou. Putain, rocher de merde! Laissez mon gars monter, il faut qu'il fasse un appel à l'aide. Sa famille a peut-être coulé. C'est le seul survivant. Non. Allez, mon gars. Yeah.
On va faire une on va faire un système de poulies. T'es prêt? On va faire la bascule. Presque. Encore une fois. Tu peux le faire, mon gars. Tu peux le faire, mon gars, je crois en toi. T'es trop descendu là, t'es trop descendu. Putain, mais c'est trop dur, sa mère! J'en ai marre! J'ai mal aux doigts! Je suis obligé d'appuyer comme un fou sur la gâchette! Putain, c'est un jeu de chien! C'est un jeu de chien! Putain de jeu de merde! Arrête, 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 arrête. Arrête de gesticuler! Attends, faut que je médite les gens là. Je suis apaisé. Je suis apaisé. Le stress n'existe pas. C'est l'homme qui a inventé ça. La vie est tellement douce. Douce. Comme une petite peau de bébé. Profitez là. Là je vous donne des bonnes énergies. Redonnez-moi des bonnes énergies également. On fait un échange de bons procédés. Ok. Ok. Je crois qu'on peut réussir là. Il me faut juste une musique motivante. Allez, je veux ma revanche. C'est maintenant ma revanche. Doucement. Doucement. Voilà. Voilà. Et maintenant, faut que j'aille tout là-bas. On n'a jamais été jusque-là. Où dois-je aller? Non, me dis pas c'est le panneau mort là. Me dis pas que c'est le panneau mort.
C'est dur. La vie est dure, putain. Pourquoi la vie est méchante? Tu tends une joue, t'aides ton prochain. Tu donnes tout. Et non, on te bouffe tout. Jusqu'à la moelle. On te met une grosse flugie dans la gueule. Et on dit non, mon gars. Je te laisserai pas atteindre les sommets. Redescends, sale fou. C'est dur. C'est dur. Ils sont dans tous les sens, on dirait un petit asticot. Il sait pas ne pas avoir la jugeote. Ok. On est de retour. On est de retour. J'ai pas dit mon dernier mot. J'ai pas dit mon dernier mot. Le dernier mot, il est pour plus tard, il est pas pour maintenant. Arrête de glisser, bordel!
Arrête de gesticuler. Arrête de gesticuler. Voilà, on y est. On y est. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Les gens, merci pour le follow, Ayoub. Merci, bienvenue à toi. Merci, merci beaucoup pour le soutien. Là, je vais avoir besoin de conseils. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je me rebascule? On est d'accord que là, c'est impossible, hein. C'est impossible comme ça. On est d'accord? Putain, je suis si proche. Il reste même pas un mètre. Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut que je prenne de la hauteur par là? Les mauvais souvenirs de Getting Over It. Au secours. Je veux même pas en entendre parler de ce jeu. Donc là, je fais ça, on est d'accord, hein. Je me balance comme ça et je saute au bon moment. J'ai peur, j'ai peur. J'ai peur de faire de la merde. Ah, mais putain de merde. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. On se relève toujours, nous. Toujours on se relève. On est là pour grimper les échelons. Te fais pas les ligaments croisés, mon poteau. On se relève toujours. J'en ai rien à foutre. Allez, là maintenant on réussit ça. Ça, on a la main maintenant pour réussir. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, mais tu peux réussir. On croit tous en toi. Ah.
Allez! Même Getting Over It était plus facile! Bah en fait... Je vous explique. Pourquoi est-ce que Getting Over It était plus facile? Avec Getting Over It, on pouvait avoir des moments où on pouvait lâcher la souris ou la manette. Là, dans ce jeu-là, tu ne peux pas lâcher un seul bouton, sinon c'est retour à la case départ. Du coup, t'es tout le temps obligé d'avoir des crampes aux doigts. C'est horrible. C'est le pire jeu que j'ai joué jusqu'à présent de ma vie. C'est affreux. Vraiment, c'est affreux. Il a une sacrée poignée, en tout cas, ton perso. Je vois ça. En fait, je préfère mille fois plus Getting Over It juste pour avoir un moment de répit. Que là, tu peux pas avoir de moment de répit. J'ai des crampes au WAD! Allez, on y retourne. Me fais pas ça, hein. Ou me fais pas ça. C'est pas le moment. Allez! Ok, on est de retour là. Allez, la bascule. On est de retour là. Maintenant, que dois-je faire? Que dois-je faire? J'ai mal au doigt, j'ai une crampe là, je peux pas lâcher le bouton là. J'ai une crampe de baiser, sa mère, j'ai une tendinite. Croyez en moi, je vous en supplie. Croyez en moi, par pitié. J'ai besoin de votre force, là. On y croit. Je sais pas, je suis à combien de VPM là? Mon cœur bat beaucoup trop vite. Mais j'ai juré, j'ai sauté. Je vous jure, j'ai sauté. C'est le perso qui fait pas d'effort. Le mec, une fois sur deux, il fait un. Et après, il tombe comme une merde, on dirait une limace. En plus, j'ai mal aux doigts, ça fait trop mal.
Mais est-ce que c'est possible de réussir à aller aussi loin? Et après, ça va être comment? Ça va être pire! Là, c'est que même pas le level 1, là! Mais on peut pas aller directement là-haut, là! C'est impossible! Il doit y avoir un moyen de pouvoir aller là-haut. Ok, là maintenant on y arrive plus que tout à l'heure. Tout à l'heure on galérait sa mère. Voilà, c'est ce qu'il faut. Je suis Tarzan. J'ai besoin de la force des hindous. J'invoque le pouvoir des hindous. J'ai besoin de vous, messieurs. J'ai besoin de vous. Oui, monsieur les hindous. Oui, merci. Ouvrez-moi mon chakra. Je veux être dans le Christ cosmique de la planète intersidérale. Jubelux. Gros anux. Mais comment on fait là? Comment on fait? Oh, je sens la force. Allez, allez, c'est ce moment qu'on attend depuis tout à l'heure. Faut vraiment que je lâche à la dernière des dernières secondes. Et tout de suite que je récupère le machin là. Mais là, ça me paraît trop loin, en fait. Regardez la distance. Je vais basculer, je vais tomber tout de suite. Il doit y avoir une autre solution. On peut pas récupérer un bout d'os, là? Oh, j'ai trop peur de glisser. Oh là là, il est si proche! Il est si proche, sa mère! J'ai peur de lâcher la manette. J'ai peur, j'ai pas envie, putain.
Non mais je vous en supplie, donnez-moi une astuce là, une véridique, que vous avez peut-être vue sur internet. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà vu un streamer jouer à ce jeu? Il a sauté d'où? Donnez-moi des conseils par pitié. J'en peux plus. J'ai l'impression que c'est trop juste là. Là, c'est trop juste. Il faut que j'aille un tout petit peu plus haut. Mais pas trop non plus. Arrête de gesticuler, arrête de gesticuler. Putain, il gesticule trop. Il faut sauter exactement de là où tu es. Et tu devrais te raccrocher vers le bas. Là, exactement là, là. On est sûr et certain, c'est là, là. Là, je bouge pas, là. Non, pas plus haut, c'était exactement là où tu étais. Là, ici, là. Là. Attendez. Hop. Parmi les trois cacas là, il y a une boule de merde, deuxième boule de merde, troisième boule de merde. C'est au-dessus de la troisième boule de merde. On est d'accord, hein. Ok. Il faut prendre de l'élan et tout. Genre je fais comme je fais là. Je pars en arrière et hop, je vais tout en avant et je me rattache. C'est dur, hein. J'ai l'impression que je joue ma vie là. C'est horrible. Attends, je fais des pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ouais, son fiac. Voilà, je me donne de la motive, là. Faut balancer, et au dernier moment, tu sautes. Ah, c'est dur, hein. Jusque-là! Comment je fais quoi là? Qu'est-ce que je fais? Non, c'est hardcore! C'est hardcore sa mère!
Putain. Putain, je l'avais. Je l'avais. Il a glissé, cette merde, elle a glissé. Je vous jure que je me suis attaché. Je vous jure que je me suis attaché. J'ai bien saisi le bâton comme ça, là. Je l'ai bien pris comme ça. Il a lâché tout seul. Il a lâché tout seul. On aurait dit que l'arbre, il était humide. Quelqu'un avait lubrifié la branche d'arbre. C'est vraiment hardcore. Le niveau, il est hardcore, sa mère. C'est vraiment l'un des pires jeux que j'ai jamais joué. C'est dur là, mentalement c'est dur. Je vous jure, c'est dur. Ouais, c'est dommage, Dark. C'est dommage. Ah ouais, mentalement c'est, ça fait mal, hein. Mentalement ça fait mal. Je veux bien retenter une dernière fois à retourner là où on était. Par contre, je vous avouerai, si je retombe de tout là-haut, je crois que je supporterai pas là. C'est vraiment des chiens, les développeurs. Le fait qu'on puisse pas juste s'asseoir sur un rebord d'un rocher, juste poser son petit fiac. Le jeu ne veut pas. C'est tout ce qu'on demande, juste de se reposer 2 secondes. On est obligé tout le temps de mettre pause. C'est horrible de faire ça. Vas-y. Vas-y, vas-y. Allez. Je me remotive. Ouais, j'avoue ça. Merci, Dark. Au moins, on est au courant. On est au courant que c'est le 3e caca de rocher. Ah, ça m'a mis un coup au moral, là. On avait été si loin. Est-ce qu'on arrivera vraiment à finir ce jeu un jour, vous pensez? T'imagines? Ça se trouve, on peut aller encore plus haut. C'est même sûr qu'on peut aller encore plus haut. Imaginez. Ça se trouve, on est tout en haut. Et on retombe tout en bas. Je crois que je désinstalle le jeu, hein, si ça m'arrive. Arrête de gesticuler, arrête de gesticuler. Il gesticule trop, il gesticule trop. Mais on y arrivait tout à l'heure. Pourquoi j'arrive plus? Pourquoi j'arrive plus? Voilà. J'ai mal au doigt, j'ai mal au doigt, ça fait trop mal.
T'imagines, ça se trouve, il y a des buissons piégés. C'est maintenant ou jamais. J'ai peur. J'ai peur. C'est maintenant ou jamais. J'ai peur. Je vais glisser. Je vous jure, je vais glisser. Et c'est même pas moi qui aura glissé. J'ai serré le fiac de fou. J'ai mal au cul. Oh, les chiens, ils ont mis le rocher glissant. On n'a jamais été jusque là. En fait, le fin mot de cette histoire, c'est... Je meurs pas là, hein. Là, je peux pas tomber plus bas que ce que je suis. C'est une safe zone, là. On est d'accord que c'est une safe zone. Oh putain, je suis heureux, sa mère. On a fait le level 1. Je sais pas, il y a combien de levels. Maintenant, j'ai peur d'un truc. Parce que là, c'est un faux checkpoint, les gens. Y'a pas de checkpoint dans le jeu. Parce que là, il suffit que je glisse vers la gauche et je retombe tout en bas. Donc là, va falloir que je fasse très attention à ce que je fais. Regarde, là, c'est des chiens, regarde. La racine, elle monte. C'est-à-dire, à tout moment, je bascule vers la gauche et je recommence tout. Je vous le dis, si c'est le cas, j'aurai pas la force de refaire. Ok. La méthode clé, c'est d'y aller tout doucement.
Je suis apaisé, c'est 15 jours. De toute façon, y a rien à la clé. On s'en fout. J'ai été très très haut, c'est très cool. Y a pas mort d'homme. C'est tranquille, tranquille, tranquille. Je suis apaisé. Ça me fait du bien, je vais la garder de côté. C'est des chiens, c'est tout ce que je retiens. C'est vraiment tout ce que je retiens. Je reste apaisé, mais les développeurs, c'est des chiens. Faut qu'ils aillent se faire foutre quand même. Arrête de gesticuler, bordel! J'ai la force des hindous en moi! Je suis en train de m'éveiller là! C'est mon moment. Ça, on sait faire maintenant. On sait faire. C'est rien passé. Les hindous sont toujours en moi, là. Ils m'ont dit que c'était du fake. En fait, depuis tout à l'heure, il s'est rien passé. Tout ça, c'est dans mon esprit. C'est faux, j'ai rien vu. On n'a rien vu tous, d'ailleurs. Tout ça n'était que bidon. Là, la vraie run, elle commence maintenant, là. Ah, elle commence là. Là, c'est la vraie run qui commence là. Voilà, le live il commence. Ça va les gens? Eh, hey, j'espère que vous allez bien. Eh hey. Attends, je suis en fou moi. Je suis en fou, le live il commence seulement. Et je vous mets des i comme ça, mais je suis en fou. On n'a pas une petite musique et un peu plus chill? Ça c'est pas mal ça. Ah, on est bien là. Hello tout le monde. Ah,
On est trop bien. Hey, bienvenue sur ce live. Alors, on est sur un mec qui escalade. Regardez, il escalade bien. Ah, là, on est bien, là. Ah, bon. Alors, voilà, hein, le but, c'est d'escalader. Faut pas qu'on tombe, évidemment. Regardez, je m'en sors bien. C'est easy. C'est l'un des jeux les plus faciles que j'ai jamais joué de ma vie, hein, je vous le dis. Ça va te plier. Hey tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle game. On commence hein, l'aventure. C'est un jeu qui ressemble à Getting Over It. Vous allez voir, il est pas mal le jeu. Donc en fait, là, le but, c'est d'escalader. Et regardez... Hop. Et je sais pas ce qu'il va y avoir en haut. Mais en tout cas, je pense qu'on est un mec qui a échoué en bateau. Et là, faut qu'on grimpe. Et on s'en sort bien. Regardez la rapidité, comment je me déplace. Si ça, c'est pas dingue. Eh, hey, cherchez un streamer qui va aussi vite que WAM. Hein. Franchement. Moi, je vous dis. C'est exceptionnel. Hein, pour une première run, en plus. Hein. C'est seulement une première run. C'est dingue. Ah, c'est facile, ce jeu. C'est quoi, ce jeu trop facile? Il va me falloir un jeu plus compliqué, hein. Ah là, non, c'est trop simple. Mais qui a codé ce jeu? Mais mettez le plus dur, s'il vous plaît. C'est trop easy, là. Je m'endors carrément devant. Non, c'est beaucoup trop facile, ce jeu. Hein. Moi, je vous dis, essayez-le, vous allez voir. Ah, il va vous... Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle game. On vient de commencer le live là. Alors je vous présente le jeu. Regardez, faut escalader hein. Regardez, en fait c'est Tarzan. C'est Tarzan Simulator. Hop, sauf qu'au lieu d'être dans la jungle, on escalade des rochers. C'est pas mal hein, il y a un petit mélange avec Assassin's Creed. Regardez comme c'est fluide. On se déplace vite hein. C'est Tarzan 3. Allez, allez, allez. Voilà, 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 ça va tout seul. Ça va tout seul. Arrête, arrête de faire ce que tu fais là. Allez! Mais tu fais exprès! J'ai mal sa mère! Voilà, c'est facile. Non, non, par contre là, il me faut une vraie zik là. Ça
Oh, il me donne de la force, cette zik. Je me sens fort. Oui, Luffy, donne-moi la force. Je suis en train d'aller récupérer le One Piece. Mais le One Piece ! 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 Putain, mais le One Piece ! Il est où le One Piece ? Je ne vois pas le One Piece. Tu vois de la pisse, à la limite. Il n'y a pas de One Piece, putain, le One Piece ! Oh, c'est un jeu de fils d'up. C'est un jeu de fils d'up. Un jeu de fils d'up, d'up. Ah, je suis à bout là. Hein. Ah, c'est dur là. Tout à l'heure, je pensais être à bout. Là, je suis vraiment à bout. Bou. Je crois que je tremble. Je fais même pas exprès, je trempe vraiment là. Donnez-moi la petite énergie qui vous reste un petit peu, les gens. La dernière petite goutte d'énergie, donnez-la moi, je vous en supplie. Là, je leur tente, mais c'est vraiment l'ultime. J'aurai pas la force de continuer là. J'ai limite envie de faire, vous savez quoi? On retourne au checkpoint où on a été tout à l'heure et on s'arrête là pour ce soir. Si franchement on arrive à s'arrêter là, ce sera parfait, comme ça la prochaine fois on reprend là où on en était arrêté. Parce que ça me ferait chier de refaire le live et recommencer à zéro ici là. Vraiment, ça me mettrait le seum de fou. Donc donnez-moi la petite goutte d'énergie qui vous reste. Je sais qu'il vous en reste encore. Allez-y, de toute façon après on va dormir. On reprendra de l'énergie en dormant. Mais là, vous me donnez tout, là. Tout. Donnez-moi tout. Tout ce que vous avez. Merde, c'est pas par là. En fait, le problème avec ce mec-là, c'est qu'il gesticule trop. Mais je vais où, là? Ah bah si, c'était là-bas, finalement. En fait, il gesticule trop. On a du mal à jouer avec lui. Soit il est trop lent, soit il va trop vite. C'est vraiment le problème. Il te reste encore un peu de Keymaster. Vas-y, je le récupère. Merci beaucoup. La force, là, je la mets dans mon mental et dans mes wads. Parce que là... Mes watts sont en train de me lâcher, là. Regarde comme il gesticule trop. Je vous jure que je touche à rien, là. Regardez. Je touche à rien et il bouge tout seul. Non, c'est une dinguerie, ça. Je lève à peine le joystick vers le haut et il saute dans tous les sens. C'est Tarzan. Hop. Yeah.
Mais tu y étais! Mais je fous de ma gueule, il y était! Mais mon frérot, tu fais aucun effort! T'avais la main sur le truc! Mais là encore, t'avais la main sur le truc! Mais! Non, il se fout de ma gueule. Non, tu te fous de ma gueule, mon gars. Mais c'est pas possible! J'arrive plus! J'arrive plus! Ok, il fait deux rebonds. Je suis en train d'analyser le pattern là. Il fait deux rebonds. Un. Ah bah là il l'a fait au premier. C'est bizarre. Il est bizarre le pattern. Non il est bizarre le pattern. Arrête de gesticuler! Je vous jure que je touche à rien et gesticule dans tous les sens. Regarde, il est à 2 cm! Je m'en fous, j'ai pas dit mon dernier mot. C'est pas mon dernier mot. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud.
Allez. Allez, on y est presque. Pas trop glisser. Mais putain, mais t'es trop nul! M'en fous. Je suis obstiné là, ça y est. C'est mon côté tryhard qui ressort là. Enfin, le perso, il est tellement heureux d'être arrivé là, puis que de sautiller. C'est dur là, c'est dur. Allez, on est tellement proche du checkpoint. Ouah, comme il prend bien son braquemar là! Tu me refais jamais ça, hein? Mon perso, il veut pas aller lentement! Glisse pas. Oui, je m'arrête là.
c'est fini, je ne peux pas faire plus. Je peux pas faire plus, je peux pas faire plus. Je peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai tellement mal là, je suis pas bien. Je suis pas bien. Merci à tous. Merci à tous d'avoir cru en moi. J'ai vraiment tout donné, je vous jure, j'ai tout donné. Je vous jure, je fais même pas exprès. Regardez comment je trempe sa mère. Je vous jure, je fais pas exprès. Je peux pas faire plus là. Ouais, mentalement, c'est dur, hein. Faites-le de votre côté, ce jeu. Faites-le de votre côté. Je vous jure que c'est pas aussi facile que vous pensez. C'est vraiment hardcore, sa mère. En plus, le pire de ça, c'est que le perso, il y a des moments où il est lent comme ça, et des moments où il fait et donc du coup, tu sais pas comment gérer le truc. Donc en fait, je suis vraiment obligé d'aller à 2 à l'heure, mais même en allant à 2 à l'heure avec mon joystick, il part quand même à l'autre bout. C'est pour ça qu'à chaque fois, je glissais. Parce que justement, le mec, il sautillait un peu alors que je ne demandais jamais de faire ça. C'est pour ça que je tombais. Oh là là, putain. J'ai peur de savoir il y a combien de niveaux dans ce jeu. On a passé littéralement 3 heures, les gens. On a passé 3 heures sur le level 1. J'ai envie de me foutre en l'air. Imagine la prochaine fois on y retourne. Je re-retombe tout en bas. Non, je chiale. Non, je chiale. Non, je pense que là, c'est le meilleur moment pour qu'on s'arrête ici. Comme ça, je vais pouvoir me reposer. Après-demain, on reprendra le jeu. Je serai en forme. Faudra juste que je re-retouche un petit peu aux commandes pour que je me réhabitue. Et on essaye d'aller level 3, du coup. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver la prochaine? Mais en fait, je suis curieux de savoir juste il y a combien de levels dans le jeu. C'est juste ça où je suis curieux. Je veux savoir. Il y a combien de zones safe? J'espère qu'il n'y en a pas plus de 10. S'il y en a plus de 10... Et t'imagines, tu recommences à 9. Tu tombes. T'es si proche du but, tu refais tout le jeu du début. Ça, c'est... C'est une raison pour délaître le jeu, hein. Je suis désolé. Tu veux que je te dise, il y a combien de safe zones? Ah ben, justement, c'est ce que je demande, Dark. Ah oui, je veux savoir il y en a combien. Même si ça me détruit moralement, je veux vraiment le savoir. Je pense que ça va justement me motiver. Je vais me dire, ok, je me mets l'objectif de faut que j'aille là. Parce que là, tant que je serai passé où, bah j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. J'ai vraiment besoin de savoir ma destination. Jusqu'où va ma destination? C'est trop important pour moi, là. Mais en tout cas, j'espère vraiment, les gens, que vous avez kiffé. J'espère... Ça n'a pas été trop chiant, le fait que je galère tout le temps, je recommence. Mais ça me fait plaisir si vous avez réussi à vivre le truc comme moi, là. Si vraiment vous étiez imprégné dans le jeu, à chaque fois vous étiez là en mode, vas-y, tu peux le faire. Franchement, je suis très heureux si j'ai réussi à vous faire passer des émotions. Et... Je compte sur vous pour que vous soyez présents la prochaine fois et que je déchire tout. Je m'arrête là. Là, j'ai besoin de repos, là. Je suis trop... Faut que je... J'enlève tout ce stress que j'ai accumulé, là. Merci d'être resté jusqu'ici, les gens. On se retrouve après-demain pour continuer la suite. C'est hardcore. C'est hardcore, mais c'est comme ça. Bref. Et bah, bonne soirée à vous. À après-demain. Reposez-vous bien. Et... Excellent bisous les gens.